Aujourd'hui, je vais parler du numéricable. Comme la dernière fois, je vous ai parlé du numéricable à propos de l'heure ADSL qui n'est vraiment pas du tout une. Donc, je vais vous parler de numéricable. Si vous résiliez un contrat de numéricable au moment que vous apercevez que ce n'est pas le bon produit, le conseil que je vais vous donner, c'est un conseil très intéressant, car pourquoi? Vous avez souscrit un contrat de numéricable. Le contrat est de 12 mois. On vous propose 37,90 € par mois, hein, on va dire ça comme ça. Et vous recevez votre colis et vous apercevez qu'en fin de compte, ce colis n'est pas ce que vous vouliez. Hein. Vous voulez la fibre optique, vous la recevez, et en fin de compte, ce n'est pas la fibre optique que vous recevez, c'est tout simplement une ADSL. Hein, on vous dit, voilà, vous avez la fibre optique, etc. Et en fin de compte, vous avez l'ADSL. Donc, moi, ce que je vous donne un conseil, quand vous recevez votre colis, vous le regardez, vous le déballez, vous le regardez ce que c'est, et si vous voyez que c'est une ADSL qui ressemble vraiment à une TNT, vous prenez votre colis, vous faites un retour à renvoyer, qui veut dire tout simplement, écoutez, numéricable, c'est pas ce que je vous ai demandé une fibre optique, vous m'avez dit, écoutez, c'est comme ça. Donc d'accord, ok, moi, mon contrat, je l'abandonne, et si vous éperciez, vous risquez d'avoir déposé plainte contre vous. Voilà pourquoi je vais vous dire ça, parce que numéricable, c'est un mot d'opérateur en domaine fibre optique, mais en ADSL, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas le cas. Donc, mes amis, franchement, quand vous regarderez numéricable et numéricable, regardez bien ce que c'est avant de vous souscrire, car c'est franchement une galère totale. Parce que vous imaginez pourquoi je parle de ça, parce que moi-même j'étais numéricable et j'ai remarqué que leur numéricable n'est pas ce que je voulais. En plus, quand ils font leur mise à jour, leur ADSL, elle coupe les numéros des téléphones, qui veut dire tout simplement vous avez programmé l'heure, votre heure a disparu, donc il revient à zéro. Qui veut dire, c'est pas logique du tout. Seconde chose, encore, normalement, si on vous dit ADSL, confirmez bien que votre ADSL a bien le système ADSL, qui veut dire, tout simplement, vous n'avez pas besoin de passer par l'antenne. Et ça, c'est quelque chose que c'est illogique total. Donc, j'ai pas d'appareil, j'aurais bien voulu vous le faire montrer, car il était beaucoup plus intéressant de vous expliquer pourquoi on dit ADSL et non ADSL. Normalement vous n'avez pas besoin de passer par l'antenne, c'est juste pour les mises à jour bien sûr de votre TNT de l'ADSL, mais c'est pas une obligation du tout. Je vais parler du concurrent Orange et le concurrent Bouygues Telecom et SFR qui se fait en ce moment, qui essaie de vendre ses droits. Donc tout simplement, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement vérifiez bien que numéricable vous fournit votre appareil que vous désirez. Parce que je vous assure, quand vous payez, vous n'êtes pas arrivé à la fin de l'année, vous payez quand même bonbon. Hein. On va dire franchement, moi j'ai 300 et quelques euros à payer, je ne paierai pas, parce que je le dis bien haut et fort que je ne paierai pas quelque chose qui ne vaut même pas la peine d'être payé autant aussi cher. Hein. Je peux même dire, je confirme ça pour numéricable, si numéricable me voit, c'est tout simplement de bien vérifier, car moi,
je justifie, je confirme, je ne paierai pas un numéricable aussi cher que ça. Moi, je leur conseille un numéricable si franchement ils veulent faire ce système-là, hein, qu'ils le font pour 19 euros ou 15,99 €, qui serait beaucoup mieux parce que 19 euros encore, ça vaut même pas encore ça. Parce que vous êtes chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom vient de lancer la DSL sans engagement à 19,90 €. Et croyez-moi, c'est vraiment, c'est très très bien ce qu'ils font. Car non, franchement, j'ai vu les conseils, j'ai vu franchement, c'est le même appareil qu'on connaît, qui est à 44,90 € normalement. Et là, Bouygues Télécom a décidé de cartonner les prix à 19,99 €. Je trouve franchement, Bouygues Télécom, je vous fais un coup de chapeau. La seule chose que je dis de Numéricable, prenez garde de ne pas faire n'importe quoi quand vous achetez franchement Numéricable. Renseignez-vous bien que cet appareil, c'est que ce que vous voulez. Parce que, je veux vous dire franchement, quand on se fait menacer d'une résiliation parce que ça ne nous plaît pas, moi, ce que je conseille franchement, c'est de bien spécifier. Et si vous ne respectez pas vos contrats, moi non plus, je ne respecte pas mes contrats. C'est clair et franchement précis. D'accord ? Voilà, pour aujourd'hui, je vous ai parlé de ça. J'espère qu'on se reverra encore, car là aujourd'hui, j'en ai fait 3 vidéos. Donc, j'espère que chacune sera bien. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, hein, car aujourd'hui, je vais jouer un peu.